Je m'appelle Gerda Müller, ça se prononce Gerda, mais en France on dit Gerda, un peu comme Germaine, voilà, c'est facile à prononcer. Je suis d'origine hollandaise, je suis née en 1926 et j'ai vécu près d'Amsterdam. J'ai choisi assez tôt de travailler pour les enfants. Je me souviens très bien que vers 7-8 ans, j'ai commencé à dessiner des petites bandes dessinées pour mes copains et mes copines en Hollande et qui aimaient beaucoup ça. Et vers 14 ans, je savais que je voulais faire des choses pour les enfants et que c'était important ce qu'on leur donnait. On peut dire que je suis illustratrice, mais je préfère qu'on m'appelle imagière, parce que la différence est ceci, les illustrateurs illustrent souvent un texte assez long. Ils se basent sur un texte, tandis que le travail de l'imagier, c'est de faire des images qui vivent par eux-mêmes et qui peuvent exister éventuellement sans texte. Alors, c'est mon cas. J'aime bien parler par des images. D'ailleurs, on dit que mes images sont parlantes. Je travaille beaucoup à la gouache. La gouache permet de donner une forme nette et facile à comprendre pour les enfants, contrairement à l'aquarelle. L'aquarelle, je l'utilise seulement quand je fais des dessins à la plume. Mais je suis vraiment maintenant très enthousiaste pour travailler avec la gouache. Et par-dessus, je travaille avec des crayons de couleur pour donner de l'ombre, pour donner une matière. Voilà, pour faire un bon livre, il faut avoir une bonne idée. Donc, je prends le livre « La fête des fruits ». Il faut commencer par faire la liste de ce qu'on veut mettre comme image, page par page. Après, il faut faire ce qu'on appelle une grille, c'est-à-dire qu'on prend les marges, on prend la typo, souvent à la même place, mais pas toujours. Voilà, il faut donner ces images-là à l'éditeur pour dire « voilà comment je veux le faire ». Après, je me mets à crayonner. Le crayonné, ce n'est pas le croquis, c'est différent. Un croquis, c'est un dessin rapide d'une chose qui vous intéresse. Mais le crayonné, c'est l'emplacement exact du dessin que vous voulez faire. Voilà, par exemple, un crayonné qui est très utile. C'est sur un calque. Je le pose sur une table lumineuse. Je pose le papier dessus, un papier assez épais, et je redessine les formes les plus importantes au crayon, très, très, très doux. Et je me mets à le barboter à la gouache. Je me suis rendu compte qu'en travaillant dans mon atelier, dans le silence, en pensant comment développer une histoire, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a un enfant qui me regarde par-dessus mon épaule et qui me donne des conseils. Et chaque fois, dans ma tête, je dis, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que ça ne va pas trop vite? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je me répète pas trop? Est-ce que ceci n'est pas trop coloré? Qu'il ne laisse pas tomber le livre parce que ça fait un bon lecteur pour l'avenir. Ça, je l'ai appris chez le Père Castor. Et c'est une grande victoire pour un enfant quand il peut, sans savoir lire, raconter l'histoire. J'ai appliqué ce système dans tous mes livres et c'est pour ça que les enfants les aiment, parce qu'ils les dominent. Il paraît aussi que ça frappe les gens, que les enfants dans mes images bougent tous. C'est vrai que j'ai dessiné très peu d'enfants dans une situation statique. Tous les enfants bougent de toute façon, ils n'aiment pas s'asseoir dans une grande salle pour écouter les adultes. Pourquoi le mouvement m'attire tellement? Tout simplement parce que ça fait du bien.
toujours définir mes propres images, c'est toujours très difficile, et je suis toujours très reconnaissante quand d'autres personnes parlent de mes images et m'aident à les définir. Mes images sont à la fois très précises et très réalistes, mais on m'a dit qu'elles sont poétiques, et je peux dire que je ne croyais pas que je saupoudre mes images avec de la poésie. Ce sont des choses qui viennent tout à fait naturellement. Je ne sais pas comment le définir autrement. Le père Castor disait que mes images étaient la poésie de la réalité, et je crois que c'est ça. J'ai toujours envie de dire aux enfants et aux adultes aussi, regardez comme c'est beau. J'ai envie de prendre l'enfant par la main et de lui montrer des belles choses. Je ne me sens pas du tout comme une artiste, je me sens comme un artisan qui a du talent, voilà, et qui s'est consacré à faire des livres pour les enfants.